Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur CGTV pour ce nouveau numéro de Chamanement Vôtre, saison 2, en route vers l'aventure. Le principe est très simple, faire vivre des expériences sous hypnose à des anonymes, mais aussi nos guests, Magali Vahé et Lolo et Lolotte. Pour cette première vidéo, ce que je vous propose, c'est tout de suite de découvrir notre amie Magali Vahé, faire la manche, et en plus, qui va devoir chanter faux sous hypnose, ça donne ça. Magali Vahé est très réceptive à l'hypnose. La semaine dernière, nous avons donné pour mission à Chaman, notre hypnotiseur, de réaliser une amnésie de sa personnalité. Et sous hypnose, Magali est devenue la serveuse du Zoom Café à Limoges. Nous avons donc décidé de lancer une nouvelle mission à notre magicien du subconscient. Après Magali, la serveuse, découvrez Magali fait la manche en chantant complètement faux. Comment vont réagir les passants? À vous de le découvrir. Tu vas jouer la guitare et tu vas chanter sans piano. Mais tu ne sais pas chanter et tu vas chanter quand même sans piano et tu fais la manche. Avec le 1, avec le 2, avec le 3, réveille-toi. Ok, super. Je vais te donner une guitare. Tiens, une guitare. Tu vas être là. Ça c'est la guitare. Attention, tu peux l'accorder. Voilà, très bien, tu peux. Voilà. Et à partir de maintenant, tu joues la guitare, tu chantes. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, ICO, Santillano, 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier d'y être, matelot, merci. Tiens bon la barre et tiens bon le vent, ICO, Santillano, s'il vous plaît monsieur. Vas-y. 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier, merci beaucoup. Je suis fier d'y être, matelot. Je pars pour de longs mois, merci, en laissant ma peau, ICO, Santillano. D'y penser, j'avais le cœur gros, nous étions les fleux de Saint-Malo. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, ICO, Santillano. 18 nœuds, 400, merci beaucoup. 400 tonneaux, à partir de maintenant, tour de l'Orma, tour de l'Orma. Je rappelle le tour de détail, merci. C'est qui? Bon, c'est pas grave. Allez hop. Après l'avenir, ce soir, un spectacle. Tout de suite, direction la salle Jean Moulin et plus particulièrement sur la scène où nous allons nous retrouver avec les anonymes et les guests dans une danse plutôt particulière, mais aussi un slow. Ça va tous vous rappeler des souvenirs, mais à eux plus particulièrement, c'est tout de suite dans l'image. Après nous avoir mis en condition, nous sommes entre le rêve et la réalité. Il est temps pour notre hypnotiseur chaman de nous faire vivre des aventures uniques tous ensemble. Quand des stars et des anonymes font du cheval, voilà ce que ça donne. Du cheval. Je vais vous demander de vous lever et de monter sur votre poney. Levez-vous et montez sur votre poney. Allez-y, levez-vous et montez sur votre poney. Allez-y, levez-vous. Levez-vous. Allez-y, vous pouvez vous lever. Allez-y, levez-vous. Levez-vous. Très bien, levez-vous. Maintenant, montez sur le poney. Montez sur le poney. Enfourchez le poney. Très bien. Et vous commencez à sentir le poney qui a les fesses qui bougent un peu. Vos fesses, elles bougent un peu. Il bouge du derrière. Allez-y, bougez votre derrière. Allez-y. Il bouge un peu vos poneys, allez-y, il bouge dans plus vos poneys, il commence même à danser, il va danser le Shaman Style. Open Gangnam Style. Alors le public. Gangnam Style. Gangnam Style. Dansez, attention avec le 1, avec le 2, et avec le 3, merci, réveillez-vous. Merci la régie, on peut les applaudir. Merci, super bien. Asseyez-vous.
Allez. L'hypnose n'est pas dangereux. À tout moment, notre subconscient peut reprendre le dessus. C'est le cas dans l'extrait qui va suivre, celui de la pomme immortelle. Délicieux. Succulent. Vous allez la croquer. À chaque fois que vous croquerez cette pomme, vous aurez la vie de plus en plus éternelle. Je vous la mets dans votre main droite comme ceci. À partir de maintenant, vous pouvez la mettre dans votre bouche et croquez la pomme. Allez-y, croquez. Ah, ça n'a pas croqué. C'était trop fort pour vous. C'est trop fort pour vous. Fermez vos yeux. Ah, là. Dormez comme ceci, dormez. Très bien, vous allez rester dans cette position droite et mobile. Dommage, je voulais lui faire croquer ma pomme. Et c'est pas grave, on l'a donné à quelqu'un d'autre, il n'a pas croqué. Mais si avec moi cela n'a pas fonctionné, ce n'est pas du tout le cas de Nathalie qui, elle, par contre, a bien croqué dans cette pomme immortelle. Nathalie, fermez vos yeux, Nathalie, respirez profondément. Restez dans cette position droite immobile comme ceci, très bien. Voilà. Voilà. Bon, bah. C'est un truc qui m'énerve. Je passe pas devant. Je vais pas vous raconter l'histoire, hein, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure. À partir de maintenant, dans votre main, je vais vous mettre la pomme éternelle. Vous allez la croquer, la manger. Elle est délicieuse. Vous allez ressentir ce bien-être, et plus vous la croquerez, et plus vous aurez la vie éternelle. Allez-y, croquez la pomme, mangez, croquez. Est-ce que la pomme est bonne? Oui. Croquez. Et tout à l'heure, quand vous la croiserez, vous ferez comme ça, hein. Ça va? À partir de maintenant, le goût remonte à la surface avec le 1, avec le 2, avec le 3. Vous ressentez l'odeur. Vous pouvez cracher, c'est pas moi, hein. On peut l'applaudir. Il y en a qui veulent vivre éternellement ce soir. Après nous avoir endormis, nous allons vivre un moment culte. Rappelez-vous le film La Boum, séquence flashback. Vous dormez chaud. Vous êtes en 1980, vous êtes assis sur les genoux de la personne de votre vie. Ou la personne. Vous allez vous lever et prenez la personne contre vous. Allez-y, allez. Vous étiez assise dessus. Prenez-le, levez-vous. Comme ceci. Allez-y, tenez. Vous êtes la personne de votre vie. Allez-y. Allez-y. Forever. Saw you standing there. I didn't know. Dansez, serrez-vous les uns contre les autres, les yeux. Profitez-en. Serrez bien, bien fort. Dreams are encore et encore. The only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality. A different kind of reality. A dream of loving in the night. La possibilité de vous mettre les mains au derrière, allez-y. Allez-y. Avec le 1, avec le 2, avec le 3, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous.
Allez, on peut les applaudir. Merci, ils ont pas les mots, Marcel. Vous connaissez l'émission Pékin Express ? Eh bien nous, on a voulu faire vivre à notre ami Lolo de Pékin Express, le Shaman Express. Ils vont devoir aller au Shamanistan et trouver une voiture, mais pas seulement puisqu'ils seront sous hypnose. On a bien rigolé, voici les images. Retour au Zoom Café à Limoges où nous avons donné une nouvelle mission à Shaman, notre magicien du subconscient, en faisant vivre le Shaman Express à Lolo de Pékin Express. Comment vont réagir les habitants? À vous de le découvrir. Mission Shaman Express et tu dois aller au Shamanistan, le pays du Shamanistan, et tu vas demander à tout le monde, aux gens, de t'amener au Shamanistan, c'est ta mission, avec le 1, avec le 2, avec le 3, avec toi. Shamanistan. Viens chérie, viens. Vous avez une voiture? Vous avez une voiture? Dites-le, il faut au Shamanistan, s'il vous plaît. Shamanistan. Non, le Shamanistan, c'est important, c'est important. Il y a Stéphane qui nous attend, là. T'arrêtes des voitures. Viens chérie, viens. Tu peux demander? Viens, ils vont s'arrêter au rouge, là. Vous n'allez pas au Shamanistan? Shamanistan, s'il vous plaît. Le Shamanistan. C'est pas très loin, il y a Stéphane qui nous attend. Vous pouvez m'emmener au Shamanistan? C'est à 1 km à peu près. On y va. Laurent, c'est bon, j'ai une voiture, viens. Viens, le cadreur, il monte avec nous. C'est bon, dépêchez-vous. On est en avant. Ah non, c'était tout droit là-bas. Ah non! C'est là le Shamanistan? Oui, on est arrivé. C'est là? À partir de maintenant, tout redevient normal. Réveille-toi, tout est normal. Ça va? Ok, tu peux dire merci aux gens là. C'est une mission réussie pour Shaman. Merci de nous avoir pris une minute. Je vous rassure, il n'y a pas comme ça. Vous appelez comment? Gaëtan. Ah, salut Gaëtan. Moi, c'est Lolo. Pékin Express 2013. Ça va? Mademoiselle? Vous? Manon. Bonjour Manon, merci. Allez, on y va. Ça, c'est génial. On est vite pris hein, ici. Nous arrivons bientôt au terme de notre émission, mais juste avant de vous quitter, je vous offre une exclusivité. Pour la première fois sur une télévision du web, vous allez assister à une catalepsie. Mais pas la simple catalepsie. Je vous laisse tout de suite voir les images. L'année dernière, dans la première saison, vous avez pu découvrir un des moments forts qui était la catalepsie. Beaucoup ont pu vivre cette expérience. Pour cette deuxième saison de Chamanement Vôtre en route vers l'aventure, nous avons décidé de faire encore plus fort. Shaman est l'un des rares hypnotiseurs en France à réaliser cette performance. Ce n'est donc pas une simple catalepsie que vous allez découvrir, mais la triple catalepsie. Écoutez bien les sons de ma voix. Avec le 1, avec le 2, avec le 3, dormez et restez dans cette position droite et immobile. Comme ceci. Musique, s'il vous plaît. Je pousse, résistez-moi. À partir de maintenant, votre corps devient dur, raide comme une barre de fer. Vos bras se collent le long de votre corps. Vos poings se ferment. Vos poings se collent, se soudent à votre corps. Vos jambes se collent les unes contre les autres. Votre corps devient dur, raide comme une barre de fer, comme une poutre. Encore plus dur, encore plus raide. Deux fois plus dur, encore et encore. Maintenant, nous allons commencer par vous. La personne qui vous touche maintenant. Très bien, posez là. Votre corps maintenant il va commencer à monter, il va rester reste dur, immobile. Votre corps il monte, encore et encore. Votre corps, il est encore plus dur, encore plus raide.
prenez ces armes. Et voilà. Encore plus dur. Le bâton est dur, raide comme une barre de fer. Allez là, laissez-la au sol, laissez-la coucher au sol. Coucher au sol. Prenez-la, s'il vous plaît, ok. Prenez-la, coucher au sol. Encore plus dur, dur comme une barre de fer, comme une couche. Encore. Là, laissez-la. Laissez-la, s'il vous plaît. À partir de maintenant, à partir de maintenant, votre respiration devient tout à fait normale. Le cœur, vos membres, vos muscles sont détendus. Tout se met en place à l'intérieur de vous. La respiration, la boucle cardiaque. Avec le 1, vous respirez en continu. Avec le 2, et avec le 3 réveillons. Et le 1, ça fait super réveillons. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission bonus. Vous découvrirez nos guests et nos anonymes vivre des aventures et des expériences individuelles. On vous souhaite une bonne semaine. Ciao.